السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سوفو سنايا لا فراز سامبل، يعني الجملة البسيطة. alors elle comprend en général un sujet et un verbe، يعني كيكون فيها الفعل والفاعل. l'un ou l'autre peut être sous-entendu. alors le soleil brille، le soleil هو le sujet، الفاعل brille هو le verbe. le verbe exprime une action. qu'est-ce qu'elle fait le soleil؟ elle brille. alors la phrase peut être interrogative، يعني فيها سؤال، جملة استفهامية. est-ce que tu comprends جملة استفهامية. تقدر تكون جملة توكيدية affirmative، oui je comprends، ou la جملة إنكارية négative، non je ne comprends pas. ne pas exprime la négation. تكون impérative، يعني فيها الأمر entrer، ou la exclamative، يعني في علامة تعجب. quel temps. alors le sujet الفاعل. le sujet peut être un nom، يقدر يكون اسم. Barbara chante. Barbara هو le sujet اسم. qu'est-ce qu'elle fait Barbara؟ elle chante. un pronom personnel، يعني le sujet يقدر يكون Damer. elle chante. elle هو le sujet. يقدر يكون un pronom indéfini، يعني Damer غير محدد. quelqu'un chante. quelqu'un هو le sujet. يقدر يكون un pronom interrogatif، يعني ضمير اللي كنديرو به سؤال. qui chante. qui هو le sujet في la phrase interrogative. لنتعلم الفرنسية عن طريق الحوار. la situation d'aujourd'hui dans une entreprise. Delphine, bonjour Nathalie, ça va? Nathalie, bonjour Delphine, ça va bien, merci. Tiens, je te présente un nouveau collègue danois qui vient d'arriver. C'est sa première semaine, Jane Heading, Delphine Cartier. Bonjour, enchanté, bienvenue ici. Vous parlez déjà un peu français? Jane? Un petit peu, mais c'est plus facile en anglais. C'est une société multinationale ici. Il y a une quinzaine de nationalités différentes. Dans mon département, tout le monde parle anglais. C'est la langue de communication. Oui, mais je vais apprendre le français. Je commence des cours de français demain. Bravo, c'est une bonne idée. Deux collègues se rencontrent dans un couloir un vendredi après-midi. Laurent, salut Philippe, ça va? Quoi de neuf? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Philippe, salut Laurent, écoute, ça va assez bien, j'ai changé de service, c'est pour ça que je ne viens plus très souvent ici. Tu es devenu PDG? Au moins. Non, sérieusement, je viens de passer chef des ventes. Bravo, félicitations. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Oh, moi, rien de spécial, c'est métro, boulot, dodo en ce moment. Mais j'espère que ça va changer. Mon chef m'a parlé d'un poste en Allemagne qui serait peut-être intéressant. On va voir. Eh bien, j'espère que ça va marcher. Bon, allez, je te laisse. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi.